éteindre un feu de cuisinière, d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre le couvercle par-dessus pour bien éteindre les flammes. Et on va voir aussi la petite réaction de qu'est-ce qui arrive si jamais on met de l'eau sur le foyer. Qu'est-ce que ça peut faire? Si jamais vous n'avez pas le couvercle à proximité, une autre chose qu'on peut faire aussi pour venir étouffer les flammes, c'est de prendre un linge à vaisselle, mais de l'imbiber d'eau et d'essayer de le mettre dessus. C'est sûr et certain qu'on ne se promène pas avec le chaudron. Si vous promenez avec le chaudron, là, vous pouvez mettre le feu à la grandeur de la maison. Okay? Donc, très important, on vient mettre le couvercle comme Martin a fait. Ça vient tout simplement éteindre les flammes, ça vient étouffer l'incendie. Puis comme ça, vous n'avez pas de danger. Bien sûr, si vous avez réussi à éteindre le feu, appelez quand même les pompiers. Parce que ce que nous autres, on va faire, c'est qu'on va venir faire des vérifications. Vous avez vu, les flammes sont montées jusqu'au plafond. On ne sait pas, est-ce qu'ils ont traversé le plafond, est-ce qu'ils ont traversé le mur. Donc, nous autres, avec certains équipements, c'est-à-dire notre caméra thermique, nos points de chaleur, on pourra venir voir exactement s'il n'y a pas l'incendie qui s'est propagé dans votre maison. Donc, gênez-vous pas, vous appelez 911, vous venez faire des vérifications. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lever le véhicule pour pouvoir sortir la victime de l'intérieur. Donc, je vais demander à toutes les gens qui sont passés les comptes de reculer en arrière des comptes, s'il vous plaît. C'est vraiment une question de sécurité puisqu'on va jouer avec des coussins de lavage et de la haute pression d'air. Donc, je demanderai de vous reculer derrière les comptes. Donc, quand les pompiers arrivent sur un accident de véhicule ou accident avec victime ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils font en premier lieu, c'est qu'ils vont positionner leur véhicule dans la rue pour bloquer le trafic. Regardez l'environnement du véhicule aussi, où est-ce qu'il est. Dans le fond, c'est que ça nous permet de savoir, un, le nombre de blessés qu'il y a sur les lieux. On va pouvoir voir aussi, y a-t-il des dangers, y a-t-il de l'huile qui coule en dessous du véhicule? Est-ce qu'il y a des fils à proximité qui sont tombés au sol? Ainsi de suite. Donc, ils vont pouvoir voir la synergie et pouvoir intervenir sur le véhicule et sur la victime de façon, un, sécuritaire et, deux, le plus rapidement possible et le mieux possible. L'autre chose aussi, c'est que les pompiers, quand ils arrivent sur un accident de véhicule, ils travaillent de concert aussi avec les ambulanciers. En fait, les ambulanciers, ils vont possiblement stabiliser la victime à l'intérieur. Sinon, c'est un pompier qui va aller stabiliser la victime à l'intérieur si les ambulanciers ne peuvent pas rentrer. Donc, première des choses, les pompiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'on va faire la stabilisation du véhicule. Donc, on ne veut pas que le véhicule bouge. L'autre chose, c'est qu'on va venir couper les fils qui mènent à la batterie. En fait, qu'est-ce qu'on veut, c'est enlever complètement le courant sur le véhicule. Parce que tant et aussi longtemps qu'il y a du courant, les coussins gonflables pourraient se redéployer. Présentement à utiliser, en fait, on appelle ça les écarteurs. Cet outil-là, en fait, va servir surtout pour voir, on peut faire multitude de choses, on peut voir justement ouvrir les portes avec, on peut ouvrir le hood avec, on peut lever le véhicule. En fait, on peut faire beaucoup de choses. On peut voir Michael présentement est en train de couper les batteries. Donc, comme je vous disais, on enlève tout ce qui est électricité sur le véhicule. Les coussins gonflables se déploient. Une autre chose qu'on va faire pendant qu'il est en train de couper les pentures,
Il y a un autre pompier que lui va s'occuper de briser les vitres, en fait. Quand on vient briser les vitres, ça nous évite que, justement que lorsqu'on va manipuler la porte, qu'elle nous brise soit dans la figure ou quoi que ce soit, donc on prévient ça. Lorsque les pentures sont coupées, en fait, à l'occasion, juste tout simplement lever la poignée et débarrer la porte. Donc. On peut voir aussi avec les capteurs, qu'est-ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient mettre une pression d'un côté et de l'autre. On vient juste tout simplement pousser la porte. Qu'est-ce qui reste à couper? L'autre chose, présentement, qu'est-ce qui fait le pompier à l'intérieur du véhicule, c'est qu'on va venir dégager, dégarnir, en fait, l'intérieur du véhicule. Après les ceintures, on a des petits cylindres. Puis pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de cylindre qui explose ou quoi que ce soit, ben on vient vérifier où est-ce qu'on peut faire notre coupe. Et qu'est-ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir couper le montant pour pouvoir se faire un dégagement.